Bonsoir, messieurs, dames. Alors, nous sommes dans le cours 275 d'art dramatique. Et de quoi je vais vous parler ce soir? Je vais vous parler de l'absurde. Qu'est-ce que c'est que l'absurde? L'absurde, c'est l'art de rendre les spectateurs abrutis. Alors, ma conscience professionnelle m'interdit de jouer de l'absurde. Je ne veux pas rendre les gens idiots. Bon, remarquez que s'ils me regardent, ils doivent se dire... Ça doit leur faire péter un plomb, ça, rien que de me voir. Alors, je me suis dit, comment faire de l'absurde qui soit intellectuellement correct? Je me suis dit, il n'y a qu'à essayer. Tu vas faire de l'absurde et puis tu verras bien si c'est bon. Voilà. Alors ce soir, c'est une expérimentation totale dans le cours 275 d'art dramatique, l'absurde sur la scène de théâtre. L'absurde. L'absurde, l'absurde des haricots verts qui n'étaient pas plantés à l'heure. Parce que les paysans, en France, ils savent planter les haricots verts, mais ils ne les plantent jamais, jamais à l'heure. Ce qui fait que ça en fait des haricots blancs un peu gros, un peu petits, un peu maigrichons, d'autres qui sont pointus, et ils s'en sortent jamais. Après, il faut qu'ils les trient. Alors, ils embauchent des ouvrières et des ouvriers pour trier les haricots blancs, vous voyez, dans les usines. Et vous les voyez trier 1, 2, 3, 4, 5, celui-là à droite, celui-là à gauche, etc., etc. Et tout ça, ça fait des haricots blancs cassés. Ben, si on fait de l'absurde à la télévision, c'est pour rendre les gens idiots. Ça a beaucoup de succès, c'est-à-dire ça a du succès. Ça plaît au public. Oui, l'absurde, le gars, il est assis dans son fauteuil, il regarde une émission de comique, et puis il a presque envie de dormir. Puis d'un coup, il a un hoquet comme ça qui lui dit « Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, qu'il est con ce mec, mais qu'il est con, qu'il est... » Voilà. Et là, vous êtes dans la top 50, top numéro 1 mondial de l'absurde, et vous passez dans toutes les télés, de tous les plateaux de télévision, de partout, partout, partout. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas tenter l'absurde? Puisque c'est ça qui a du succès. Et je m'en pose des questions aussi, moi aussi, en tant qu'artiste. Parce que je vous parle de la comédie, de l'art dramatique, tout ça, c'est très, très ordonné, vous voyez. Mais l'absurde, oui, il n'a pas sa place dans tout ça, dans l'art dramatique. L'absurde est ce que l'art dramatique repousse. Et alors qu'on vous le met à la télévision, en gros, en disant que c'est ça, les grands artistes sont ceux qui font rire avec de la bêtise, avec des frites cassées, avec tout ce qu'on veut dire, n'importe quoi. Et les artistes qui font ça, ils sont fous, eux-mêmes.
Parce qu'on devient fou. Vous savez bien que quand on fait le fou, quand on imite un fou, c'est qu'on devient fou à la fin, hein? Et ça leur fait plaisir aux gens de devenir fous. Alors, faisons de l'absurde pour voir ce que ça donne. C'est une expérimentation ce soir. C'est un cours, disons, dans les limites de l'art dramatique, dans ce qu'il ne faut surtout pas faire dans l'art dramatique et ce que les télévisions du monde entier proposent au public. Parce que les télévisions, elles font tout ce qu'il ne faut pas faire pour rendre les gens dingos. C'est pour ça que je m'appelle Filou Dingo. Parce que je suis un peu filou, un peu dingo. Enfin, c'est pour expliquer au public qu'il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Quoique, ça pourrait être sérieux. Mais il ne faut surtout pas être sérieux. Une horreur. Alors, l'absurde. Vous verrez que dans quelque temps, on imitera Aznavour dans un côté absurde d'Aznavour. Comme ce qu'on fait. On imite le français dans un côté absurde du français. On réécrit les livres des grands écrivains dans une écriture molle, qu'elle soit soi-disant plus accessible au grand public, parce que l'écriture sérieuse, ils n'en veulent pas. Ils veulent changer les mots, ils veulent changer les orthographes. En fait, ils disent aux enfants, vous écrivez le mot comme vous voulez, et nous, on vous l'accepte. Par exemple, vous voulez écrire colocataire, vous écrivez avec un K, un O, un L, deux O, AU, CU, chapeauté avec un H, sans H. C'est bon, tout est bon. Alors, faisons de la comédie avec ça. Faisons du n'importe quoi pour avoir la gloire des médias. Parce qu'en plus de ça, les médias adorent le comique ridicule. Ah non, dans l'absurde, il faut jamais rigoler. Il faut toujours être sérieux, croire à ce que l'on dit. Parce que le summum de l'absurde, c'est d'être absurde, mais ne pas penser l'être, vous voyez. Faut avoir un sérieux comme ça. Puis dire des choses, je sais pas. Je sais pas où ils trouvent les exemples d'absurdité, mais ils sont forts. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Moi, je me régale. Je me dis, quand j'ouvre mon poste de télé, je me dis, ah, qui c'est qui va être le plus absurde ce soir? C'est lui, non, non, il y en a un plus fort à côté. Ah ouais, alors lui, non, c'est rien ça à côté de ce qu'ils vont sortir. Et puis ils sortent sans arrêt des trucs, à dormir par terre. Hein. Mais regardez-les, les comiques. Vous n'allez pas me dire que c'est du haut vol ce qu'ils disent à la télé. D'ailleurs, ils ont même fait venir un handicapé pour voir s'il les battait pas à l'absurde. Ben, l'handicapé a gagné. Hein? Ah oui, je vous assure, l'handicapé était plus fort que tous les types là. Ben oui, parce que lui, le comble de l'absurde, c'est de faire des gags sans bras, sans manches, sans pieds, sans jambes, sans bouche, sans parler, sans langue. Ça, c'est le comble de l'absurde. Eh oui, dans quelque temps, on ne saura plus ni parler français, ni dire des choses intelligentes. On sera devenus tous idiots.
Regardez les débats politiques, hein. Sur quoi ça tourne, hein. Sur la couleur de la peau et du nom et du prénom. Ah, c'est un grand succès. Ah, c'est un grand succès pour savoir qui c'était les Gaulois en France. C'était les jaunes, les rouges ou les bleus? Les premiers Gaulois. Il y a 2000 ans, au temps de Jules César, tout ça là. Jules César qui voulait dominer la Gaule. Mais on n'avait pas des photos de cette époque. Il serait bien embêté, hein, de voir les photos. Et puis vous savez qu'à cette époque-là, ils ne parlaient pas le français qu'on parle de maintenant. Hein. Ah non, c'était un français qui ressemblait plus à de l'anglais, vous voyez. Parce que l'anglais, c'est un peuple encore plus retiré que la France. Ils sont dans une île. Donc ils ont peu évolué au niveau langage. Mais notre langage ressemblait à l'anglais. Et l'anglais ressemblait au temps presque préhistorique du langage, vous voyez. Mais les Anglais, ils étaient blancs ou ils étaient noirs à l'époque de Saint-Vigilius? Les écrivains, on a des écrivains qui parlaient, mais c'était un blanc cassé ou c'était un blanc ou c'était un blanc jaune? Je me suis aperçu que dans cette époque, il y a la majorité qui a toujours raison. La majorité, elle a toujours raison. C'est-à-dire que comme c'est une majorité pas trop, la majorité, ce sont les moutons, quoi. Les moutons, ils ont toujours raison. Alors, ce qui fait que là-dedans, il y a le premier mouton qui saute de la falaise et tous les moutons suivent, quoi. Faisons de l'absurde, l'absurde, l'absurde ce soir. Comment on va faire de l'absurde? Je n'ai jamais fait de l'absurde. Si j'en ai fait une fois, mais c'est pas ça. Mais si on commence, si je commence à faire de l'absurde, je vais devenir fou, comme mon personnage. Et mon personnage, il part dans la folie. Et moi, c'est moi qui le joue. C'est moi. Moi, je vais devenir fou avec lui, avec Filou Dingo, vous voyez? C'est pour ça. Il faut que je le calme, le coco. Parce que sinon, il s'en va, lui, hein? Ah ouais, lui, si vous retenez pas les chevaux, lui, il y va, hein? Et c'est ce que le peuple aime. Le peuple, les gens qui regardent la télé, ils adorent de voir les fous qui gambadent comme ça, vous vous gambadez, puis. Voilà, tout ce qui est de la folie, c'est au top niveau de notre répertoire français, de la culture française. C'est la folie. Voilà. On est l'époque des fous. Évidemment, si Filou Dingo, je veux pas qu'il soit fou, il ne pourra jamais être un artiste. L'absurde au théâtre. Parce qu'il y a le théâtre de l'absurde aussi. Mais alors, ce qui est intéressant dans le théâtre de l'absurde, c'est que c'est une mise en scène de l'absurde.
Alors là, ça devient de l'art. L'art de l'absurde. Dans une mise en scène voulue, soignée. Bon, ici, nous sommes dans un cours d'art dramatique. Donc, c'est un cours. Ça ne peut pas être un cours sur du rien du tout, sur du vent. Vous voyez, il faut que ce soit un cours qui soit consistant quand même, hein? Sinon, il n'y a plus de cours, il n'y a plus rien. Dans le théâtre de l'absurde, on ne fait pas des cours, on ne donne pas des cours. Sinon, ça ne devient ça. Ça sort de l'absurde. Tout ce qui est intellectuel, réfléchi, construit, structuré. Ça sort de l'absurde. Alors, dans cette construction, on peut construire de l'absurde, mais alors il faut s'y prendre un peu à l'avance. Construire d'avance de l'absurde. Et alors, il faut voir, comme je vous dis, c'est pas simplement de faire un spectacle qui est important. C'est pas de produire sur scène quelque chose. Parce que tout le monde est capable de produire de très beaux spectacles. Mais le devoir du comédien, parce que le devoir, il a un devoir, le comédien, tout de même, moi j'ai un devoir vis-à-vis de mes spectateurs, c'est tout de même de les éduquer. Eh oui. Je veux quand même qu'ils soient un peu plus intelligents qu'avant, quand ils me regardent. Sinon, ils ont perdu leur temps. Vous allez me dire, oui, mais l'amusement. Oui, l'amusement, je suis d'accord. Il faut aussi qu'il y ait de l'amusement. C'est comme à l'école, il y a la cour de récréation, il y a l'amusement, et puis il y a aussi le sérieux. Et moi, je vois que de l'amusement dans les spectacles audiovisuels. Je ne vois pas du sérieux. C'est ça qui me gêne, vous voyez? Parce que si on va à l'école, c'est pour apprendre quelque chose. Si on va se mettre devant une télévision, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pas pour rigoler, 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 dire des blagues, dire des choses absurdes du soir au matin. Et ce sont les artistes qui doivent enseigner le public. Ce ne sont pas des journalistes. Les journalistes sont là pour informer le public, pas pour lui enseigner quelque chose. Nuance. L'artiste joue le rôle de professeur, véritable professeur. C'est-à-dire que quand vous voyez un artiste de talent, vous devez en tirer une leçon dans votre vie personnelle. C'est là où le spectacle, il a une vraie valeur culturelle. On appelle la valeur culturelle, c'est l'enseignement du spectacle au spectateur. Si le spectacle culturel, c'est de la folie, on enseigne la folie au public. La culture de la folie, c'est très mauvais pour les spectateurs. C'est horrible, c'est comme si j'étais un professeur et puis que j'enseignais des choses folles à mes élèves. Ce serait un crime. Et là, c'est un peu ce qu'on fait en France, dans les médias de partout. On enseigne la folie aux gens. C'est abominable. Moi, je suis rodé à ça. Moi, je connais le spectacle. J'ai étudié mon spectacle. Moi, ça me fait rien à moi de voir que des fous. Mais imaginez un enfant ou un gosse ou quelqu'un qui doit éduquer son cerveau et qui voit que des fous à la télé. On lui dit en plus que si tu veux gagner des sous, si tu veux être célèbre, il faut les imiter. Mais moi, je me casse en courant. Je me casse en courant. Ça, je vous le dis.
Voilà, c'était mon cours sur l'absurde ce soir. Si vous avez bien compris, alors là, évidemment, vous n'en avez jamais vu des acteurs qui vous enseignent quelque chose. Prenons par exemple le cas des grandes chansons du répertoire français. Je parle de Brassens, je parle un petit peu d'Aznavour, je parle de Cabrel, je parle des grands. Même Johnny Hallyday, il nous enseignait quelque chose dans ses chansons. Quand on écoutait ça, vous voyez, on recevait une gifle un peu dans la figure. Voilà. Les chansons avec de grands auteurs, compositeurs, Goldman, ce sont des chansons qui te réveillent, tu vois, qui te donnent, qui te disent, ah, voilà, j'y avais pas pensé, c'est ça, etc. Ils réveillent une conscience en nous. Tandis que si vous regardez les acteurs de cinéma, etc., ils ne réveillent aucune conscience chez nous. Les comiques, enfin les gens qui font des one-man shows, etc., ne nous enseignent pas à vivre. À vivre. C'est là où il y a un problème, quelque part. Il y a une censure, une grosse censure sur justement l'éducation et la culture telle qu'elle devrait être. Voilà. Écoutez, j'essaie de vous en dire un petit mot comme ça. Voilà, c'était mon cours sur l'absurde ce soir. Comment doit-on faire de l'absurde sur scène, etc. L'absurde vient étayer un sujet important. Il faut toujours que ce soit sous-entendu une leçon, vous voyez. Comme par exemple quand il y avait Jean de La Fontaine qui faisait de l'absurde. Il mettait des animaux qui parlent dans ses fables de La Fontaine. C'était de l'absurde. Mais derrière cet absurde, il y avait une grande morale à en tirer. C'est pour ça que La Fontaine a un succès mondial. C'est pas à cause de ça. C'est pour ça que La Fontaine est très instructif au niveau éducation culturelle. Tout comme Molière. Ce sont de grands auteurs qui, en même temps de l'absurde, se servaient de l'absurde pour enseigner quelque chose d'important à leur public. Et c'est ce côté-là culturel qui manque dans le spectacle audiovisuel. J'ai par exemple, si on va prendre tous les comiques français, ça vole très très bas, très très bas. Hein. Au-dessous de la ceinture, ça vole. Hein. Coluche, qui essayait de monter un peu le débat, il a été censuré parce que les médias ne pouvaient plus le supporter. Par exemple, Dieudonné, qui essaye aussi de remonter un peu le débat, on l'a massacrés. Ce sont des gens qui essayent avec de l'absurde d'enseigner quelque chose au peuple, de réveiller les consciences. Et cela, notre société, c'est pas notre société qui en veut pas. Ce sont les dirigeants qui dirigent les médias, qui ne veulent pas de ces gens-là, qui instruisent le peuple. Donc on veut de l'absurde, mais quand ça reste de la folie pure. De la folie pure, là vous êtes passé, vous passez aux 20 h de partout dans les médias, à condition que ce soit vraiment de la folie, qu'il n'y ait aucun enseignement culturel derrière. Et ça, je le dénonce. Voilà, je le dénonce. Parce que ou je vais devenir fou, moi aussi, je vais faire de la folie comme eux pour être célèbre, ça je ne le ferai jamais. Jamais je trahirai, jamais je vendrai mon âme au diable. Jamais. Je préfère mourir que de vendre mon âme au diable. Voilà, ce sera ma conclusion de ce soir.
Je vous souhaite une bonne soirée et bonjour. Buongiorno la France.